Bonjour à mon fidèle viewer Franck du matin. Bonjour à vous sur Twitch. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Nous sommes le 18 octobre 2023. Il est 7h52 du matin. C'est le matin. De toute façon, il serait 7h52 du soir, il ferait encore un peu jour. Mais il est 7h52 du matin. Et on se retrouve encore ce matin pour une nouvelle matinale. Je suis en train de me dire, je vais virer le voicebot parce que ça me saoule. Ça me saoule en fait. Ça marche pas comme je veux. C'est tout pourri, voilà. Comment ça va Samuel? Comment ça va le popote? Bonjour, comment allez-vous ce matin? Je me disais, on n'est pas tout seul quand même, il y a du monde encore. Comment allez-vous? Je suis tellement pas réveillée, je suis tellement claquée là, j'ai juste envie de retourner me coucher et de mettre sous la couette et de me mettre devant un film ou une série ou n'importe quoi sous prétexte juste mais seulement si je ah putain je veux m'allonger là. C'est la fatigue. Bonjour M Papo. Ouais, il fait froid en plus là, il fait tellement froid. C'est on va dire que voilà. Une fois par mois, je suis une femme. Une fois par mois environ, à peu près tous les mois. Parfois deux fois dans le mois. Ça arrive, malheureusement, parce que ça peut être plus court. Bah je vais pas bien. Bah c'est aujourd'hui. Voilà. Et du coup, j'ai pas trop la forme. Mais ça va aller. Ça va aller. Comment on fait pour désactiver ces conneries là? Commande, voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Mes annonces, c'est pas ça. Notification, configuration, interaction. Qu'est-ce que c'est le widget? Non, c'est pas ça. J'aimerais bien juste désactiver les tweets qui sont envoyés là. Je pensais que c'était désactivé en fait. Mais non. Je sais pas d'où ça vient le tweet là. Je pense que ça vient de VoiceBot, mais c'est même pas sûr. Je croyais que. Comment on fait? Je croyais qu'avec la suppression des trucs là, de Elon Musk là, il avait retiré Twitter du coup X. Je pensais que c'était plus possible de faire des tweets automatiques et je croyais qu'on pouvait plus utiliser des API. A priori, allez, voilà. Interaction, ok. Hop. Tweet dans le chat, on s'en fout. Toc et toc, voilà. De toute façon, je suis plus sur Twitter, hein. Qu'est-ce que j'en fous mettre le truc là, n'importe quoi. Je râle. Bonjour Norage, bonjour Manon et bonjour Riel Lord. Comment allez-vous ce matin? Voilà, depuis, ça fait 4 minutes que je suis là, ça fait 4 minutes que je rage. Laissez tomber, ce matin là, c'est juste pas le matin. C'est pas le matin. On est le matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bon, c'est bon. Ça va aller. Ça va bien se passer. Hein? On va dire que ça va bien se passer. Ah! Ouh, pardon. Faut pas rager, nos rages. Pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Moi, ce matin, vous m'entendez rager. Hier, vous m'avez pas entendu rager. Parce que hier, j'avais pas de micro. J'aime l'humour, moi aussi. J'aime beaucoup ça. Ça me fait beaucoup plaisir, l'humour. C'est drôle. C'est cool que ce soit drôle. en fait, M. Papo, je viens de te trouver sur Blue Sky.
Il me semble, je te suis sur Blue Sky, du coup. C'est Marine Papot, c'est ça, hein? C'est ça. Tu es une femme. C'est donc Madame Papot. Et là, j'ai mon cerveau qui fait pouf. Et c'est cool, parce que c'est cool. Je suis contente. En fait, je trouve que Twitch est un réseau très masculin. Et du coup, quand je vois des femmes sur Twitch, je suis juste ravie, en fait. Je me dis, bah, c'est cool, parce qu'il y a des femmes, en fait. Et c'est bien qu'elles puissent avoir un endroit où venir, s'exprimer, dans un endroit safe, sans être emmerdées par des mecs et tout. Donc, voilà. Donc, vous êtes plus que les bienvenus. Et je suis très heureuse de vous voir ici. Je vais donc ouvrir le premier article dont on doit parler ce matin. Ouais, bah merci. Bah non, ça me fait plaisir. Ah, j'ai toujours mon aphte là dans ma bouche. J'ai des difficultés à parler parce que ça me fait super mal. Là, ici, là, à l'intérieur, là. C'est super douloureux. Alors, j'ai regardé ce matin les remèdes de grand-mère, un truc. Je sais pas pourquoi, peut-être ça a marché. Je vais mettre du miel tout à l'heure, je pense. Je vais faire un bain au sel. Je sais pas, j'ai peur, le sel, j'ai peur que ça me fasse super mal. Un patriarcat. Ouais. ouais, je pense que je vais finir par faire ça. Mettre du miel aussi. Pardon. Alors, où est-ce qu'on en était de nos articles à lire ce matin? Il y en a trop, il y a trop d'actualités, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Ah oui, on s'était arrêté là. On s'était arrêté là. Et bonjour Anto, bienvenue parmi nous et merci pour le follow. La pommeau de douche. Si tu veux. Si tu peux rester. De toute façon, mais même. Enfin, voilà. Donc un ancien soldat américain recherche comment espionner pour la Chine sans se faire prendre. J'ai pas compris là. Ah, c'est un article, ok. Traduire, on va voir si ça marche. À fouiller Google, Reddit pour espionner des conseils, disent les procureurs. Les chercheurs disent qu'ils ont trouvé un document sur l'ordinateur de l'homme intitulé Information importante à partager avec le gouvernement chinois. Et c'est une urgence, mais chez les dentistes, une urgence, c'est 3 semaines de délai au lieu de 4 mois. Non, mon dentiste, il peut me prendre dans la journée. J'ai un dentiste trop bien. Ça va, super. Bonjour, Bunny Angel. Bicarbonate de soude, ok. Je mets juste du bicarbonate de soude comme ça. Est-ce que je mets du vinaigre avec? Parce qu'on m'a dit aussi de mettre du vinaigre de cidre avec un coton-tige. J'ai peur que ça me fasse mal. Salut Bunny. Le 6 octobre, du coup, cet article par Patty Nyberg sur Task and Purpose. Un ancien. Bon, alors je vais traduire autrement parce que ça me va pas du tout. On va traduire ça en traduction comme ça. Voilà. Des conseils sur Google et Reddit selon les procureurs. Voilà. Un ancien soldat de l'armée américaine a été arrêté vendredi pour avoir tenté de transmettre des secrets classifiés de défense nationale à des responsables des services de renseignement chinois. Parmi les indices qui ont conduit le FBI à l'atteindre, selon les documents d'accusation, il y avait une série de recherches sur Internet et de courriels qui laissaient peu de place à l'imagination. D'accord. Ouais, ok. Je ferai ça. Joseph Daniel Schmidt, 29 ans, aurait contacté le consulat chinois en Turquie et les services de sécurité chinois par courrier électronique pour leur proposer des informations très secrètes en matière de défense. Les accusations criminelles fédérales comprennent la tentative de fournir et de conserver les informations sur la défense nationale, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et d'une amende de 250 000 dollars.
D'accord, je vais faire ça. J'en ai aussi. Je vais faire ça. Il a été arrêté à l'aéroport de San Francisco après son arrivée sur un vol en provenance de Hong Kong. L'acte d'accusation fédérale décrit Schmidt comme un admirateur de la culture et de la société chinoise, mais aussi comme un espion simple qui s'est tourné vers Google pour rechercher ses risques juridiques et ses options pour une vie après avoir échangé des secrets d'État. Schmidt aurait créé un document de 22 pages intitulé Informations importantes à partager avec le gouvernement chinois, contenant des détails et les sources du renseignement américain, notamment les types de sources, les évaluations du site de réunion, les évaluations, les sites de réunion et la planification des communications selon les documents de déclaration du FBI. L'ancien soldat de l'armée a également recherché des informations sur les pays qui n'ont pas de traité d'extradition avec les États-Unis, ainsi que des recherches spécifiques telles que défaut du soldat, peut-on être extradé pour trahison et pays ayant des relations les plus négatives avec les États-Unis. Schmidt était un sergent en service actif, servant de janvier 2015 à janvier 2020. Sa mission principale et la plus récente était à la base commune Lewis-McChord à Washington, dans le 109e bataillon de renseignement militaire, où il avait accès à des informations secrètes et très secrètes. Schmidt a étudié le mandarin et était un maître espion, effectuant des stratégies de surveillance, d'interrogatoire et d'opérations psychologiques avancées. Son travail était directement lié au commandement militaire indo-pacifique. Alors qu'il était en service actif en novembre et décembre 2019, Schmidt a pris un congé personnel pour se rendre en Chine. Il a également soumis une demande de visa avant son voyage, selon le FBI. J'ai l'intention de voyager en Chine chaque nouvel an pour en apprendre davantage sur la culture chinoise, a écrit Schmidt sur sa demande de visa. Je veux en apprendre le plus possible sur la culture et l'histoire de la Chine. En mars 2020, Schmidt s'est rendu à Hong Kong et aurait tenté de fournir aux autorités chinoises des informations classifiées qu'il avait obtenues pendant son service militaire. Alors ça, c'est quand même assez marrant comme situation, un soldat comme ça qui décide de tourner de se retourner contre son camp. Enfin, je veux dire, comparé à toutes les autres actualités qu'on a, je trouve ça plutôt cocasse. Les actualités qu'on a sont quand même parfois assez tristes et violentes. Et là, c'est juste un gars qui a décidé de travailler pour la Chine alors qu'il est américain à la base. Je trouve ça marrant. Voilà. Allez, on va aller faire un tour dans le monde merveilleux des grenouilles. Oui, des grenouilles. On va reprendre le truc. C'est marrant, on retrouve des mécanismes de défense des femmes, en fait. Hein? Ouais, c'est pas. Autant je comprends que moralement, ce job lui tape dessus, autant l'esprit du service est fortement ancré lors des classes. C'est ça qui est plutôt cocasse, c'est que, en fait, les Américains, vous savez, c'est l'État qui. Enfin, c'est le pays qui chante son hymne national. Et salut Tita, qui chante son hymne national en classe. Et je trouve ça cocasse que le gars ait décidé
comme ça, trahir son pays alors que, enfin, main sur le cœur, tous les jours de toute son enfance, il a chanté l'hymne national, quoi. Donc c'est cocasse dans le sens où, comme quoi, en fait, il n'y a pas vraiment de... Enfin, on peut trahir son pays même si on a été élevé dans le patriotisme, quoi. Bref. Allez, on va parler d'une autre actualité aussi sympa. On va parler d'Assassin's Creed. On va aller sur... C'est juste la critique de jeuxvideo.com. Alors, je sais que jeuxvideo.com, c'est pas forcément le meilleur site internet pour les critiques de jeux vidéo. Et je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler de jeux vidéo ici, alors qu'on est sur une... alors qu'on est sur un site de live de principalement jeux vidéo. Voilà. Mais je voulais parler d'Assassin's Creed ce matin, donc c'est... Enfin, ce matin. Je voulais en parler un matin, c'est arrivé ce matin, parce que c'est le fil que je suis. D'ailleurs, vous pouvez l'alimenter ici, et pensez à me donner des vidéos drôles et mignonnes, parce que je vais arriver à la fin assez vite, en fait. Donc, Assassin's Creed Mirage, le retour aux sources qui va mettre tout le monde d'accord, point d'interrogation. C'est un article qui a été publié, manque cruellement pour les critiques de jeux vidéo, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'était sympa, No Life, j'aimais bien aussi regarder de temps en temps, c'était quand je me faisais un petit peu chier. Le 4 octobre a été publié cet article, le jeu lui est sorti le 5 octobre je crois, et moi j'ai commencé à y jouer aussi, hein, parce que mon amoureux me l'a offert en fait, il m'a offert le jeu, et j'étais contente parce qu'il est super chouette ce jeu. Il est vraiment très très chouette. Alors on peut regarder la bande-annonce. Je sais pas si je vais me faire strike pour ça. Ah, c'est pas la bande-annonce. Alors, c'est pas la bande-annonce. Et c'est pas... On va pas regarder 10 minutes d'un gars qui parle sur Assassin's Creed. L'année dernière, la licence Assassin's Creed fêtait sa 15e année d'existence dans l'ombre du jeune studio d'Ubisoft de Bordeaux. Des petites mains agissaient dans l'ombre, ça fait deux fois dans l'ombre. Et décidément, les gars, il va falloir apprendre à écrire. Excusez-moi. Mekaya, qui a écrit cet article. Dans l'ombre du jeune studio d'Ubisoft de Bordeaux, des petites mains agissaient dans l'ombre pour servir la lumière d'Assassin's Creed. Il y a deux fois dans l'ombre, là, ça va pas. Ça va pas. Pour servir la lumière d'Assassin's Creed Mirage. Mais cet épisode retour aux sources est-il aussi rayonnant que les artefacts issus ? Le titre suit-il le bon credo pour les fans d'Assassin's Creed et les autres ? Il est temps de le découvrir. Unity qu'Assassin's Creed du premier, du nom. Wow. Avant même que les mots « retour aux sources » ne soient prononcés, on savait déjà vers où allait nous emmener cet Assassin's Creed Mirage. En même temps, difficile de ne pas voir, dans une aventure misant sur l'infiltration en plein cœur du Moyen-Orient, un hommage revendiqué au tout premier épisode de la licence phare d'Ubisoft. Et puis, manette en main, on a retrouvé les bureaux, les contrats et même Alamut, cette forteresse légendaire qui a inspiré le massif que l'on a découvert dans la peau d'Altaïr. Les influences d'Assassin's Creed 2 et consorts se font également ressentir, notamment avec ce côté récit évolutif. Dans Mirage, on suit en effet l'ascension bordée de rites de Bassim au sein de la confrérie, comme on suivait celle d'Ezio d'Assassin's Creed 2 à Révélation. Alors oui, c'est indéniable, il y a un air des premières Assassin's Creed, premier du nom, dans Mirage. Pour les plus nostalgiques, il y a même un filtre bleu à l'ancienne qui fait vraiment illusion. Mais pourtant, manette en main, c'est plutôt d'Assassin's Creed Unity que Mirage tient le plus. Décrié à sa sortie pour de nombreuses raisons, l'opus qui se déroule en pleine Révolution française a pourtant de gros atouts. Eh bien, Mirage a dans les grandes lignes les mêmes, à commencer par une action centrée sur une ville particulière bien reconstituée. On l'avait déjà remarqué au cours de notre preview, ça se confirme aujourd'hui, Bagdad est une ville magnifique, et je confirme, c'est vraiment très joli. Ces différents quartiers ont chacun leur propre identité, que ce soit d'un point de vue visuel ou sonore, ses murs, ses portes, ses habitants, l'ambiance qui règne dans les rues, tout est détaillé, personnalisé, diversifié. Il y a une vraie richesse dans cette ville, et c'est un véritable plaisir de découvrir les habitudes et les règles.
grâce au codex principalement, de cette époque méconnue. Mais surtout, Bagdad est une ville vivante. Les gens jouent, parlent, chantent, crient. En l'an 861, Bagdad était un véritable carrefour culturel et commercial mondial. Il s'agissait de l'une des rares villes au monde à accueillir plus d'un million d'habitants à l'époque. Forcément, il fallait que cela se ressente en jeu et Ubisoft n'a pas failli à la tâche. Pour les fans d'histoire et de reconstitution, la Bagdad de Mirage est le terrain de jeu parfait, mais pas que. Salut Flymix, ça va ? Les Freerunners vont également y trouver leur bonheur. Encore une fois, Mirage emprunte là plus à Unity qu'au premier opus. On le retrouve le parcours fluide, aussi bien en montée qu'en descente, des rues de Paris. Qui plus est, la ville de Bagdad, avec ses rues étroites et chargées et ses toits plats, se prête particulièrement bien à l'exercice. De nombreux éléments vous permettent de fluidifier votre course qui, jeu à l'ancienne oblige, sera tout de même limitée à certains chemins prédéfinis. La poignée d'interactions possibles avec le décor sont aussi appréciables. En somme, dans les rues ou sur les toits, l'exploration est aussi plaisante que dans les deux cas. Un parcours plaisant, c'est important dans un Assassin's Creed, surtout pour un opus qui se place sous le signe du retour aux sources. Cette façon quelque peu non conventionnelle de se déplacer fait partie des trois piliers du credo de la licence avec l'infiltration et l'assassinat. Ces deux derniers sont également mis à l'honneur avec de nombreuses mécaniques issues d'Unity, mais pas seulement. On retrouve ainsi les missions Black Box, mais aussi les outils, le regard perçant de l'aigle, l'arc de compétences et bien d'autres éléments. Clairement, les équipes ont tout fait pour vous pousser à la discrétion. Sans surprise, on se retrouve donc avec un système de combat limité. Mais cela n'est pas vraiment dérangeant, surtout qu'il y a un certain nombre de subtilités qui permettent de rendre le tout un peu plus intéressant que prévu. Tout est-il vraiment permis dans Mirage ? Mais Mirage, ce n'est pas juste un retour aux sources. Les développeurs ont choisi de parsemer l'expérience de quelques petites nouveautés bienvenues, dont la fameuse concentration d'assassins ou Assassin's Focus. Si elle permet de se tirer de bien des mauvaises situations, cette mécanique est totalement optionnelle. Vous pouvez très bien ne jamais l'utiliser au cours de votre aventure. De façon générale, Assassin's Creed Mirage est très permissif. Le titre laisse le choix aux joueurs et permet ainsi de pallier au côté très classique de l'expérience. Donc de pallier le côté très classique de l'expérience. Désolée, je corrige l'article en même temps. Ça va du choix de l'approche au choix des améliorations de vos outils, en passant par les opportunités d'infiltration qui sont variées. Mirage vous invite à enquêter, deviner, déduire, trouver pour finalement vous glisser discrètement jusqu'à votre objectif. Certes, le titre nous prend parfois un peu trop par la main, mais il y a tout de même une démarche à suivre en amont de la mission pour atteindre sa cible sans avoir à se contenter de suivre un point sur une boussole. Il faut trouver la petite brèche, le marchand qui vous permettra de passer inaperçu, le bon soldat avec la bonne clé. Résultat, on se retrouve avec un gameplay plus profond et intéressant et qui se complexifie avec le temps et nous rend l'immersion que plus grande. Dans Rien n'est vrai, tout est permis, les équipes de Mirage ont donc visiblement bien compris la deuxième partie. Mais tout est-il vraiment permis dans le jeu ? Bien sûr, Mirage se heurte à quelques limites. Si Bagdad est somptueuse, des compromis techniques ou visuels, notamment sur les visages, ont dû être faits. S'il est possible de s'aventurer dans les étendues sauvages aux alentours de Bagdad, elles n'ont pas grand intérêt à la longue. Si les rues sont pleines de vie, il arrive parfois qu'un PNJ ait un comportement des plus étranges. Si le jeu est fluide, il a tout de même quelques lacunes techniques qui peuvent nuire à l'expérience, notamment quand il s'agit de redevenir anonyme. Notez néanmoins qu'un patch a été déployé pendant notre test et qu'un autre est prévu incessamment sous peu. Les limites de Mirage, elles concernent aussi et surtout le contenu. On le savait, le titre a été façonné pour être plus court que ses prédécesseurs. Il ne vous faudra donc qu'une quinzaine d'heures pour arriver à la conclusion de l'histoire de Bassim. Pourtant, la présence de personnages sous-exploités nous laisse penser que Mirage aurait mérité une ou deux heures de plus pour parfaire son récit. Mais c'est surtout pour le reste que le bât blesse. S'il y a tout un tas de points d'intérêt qui raviront les complétionnistes, moins de 30 heures pour le 100%, les récits de Bagdad peinent à convaincre. Il propose pourtant une plongée intéressante dans le lore et l'histoire de la ville, mais s'apparente plus à des événements qu'à des quêtes secondaires, et c'est tout de même un peu dommage. Si bien qu'à part les contrats assez classiques, il n'y a pas de véritable quête annexe dans Mirage. On se languirait presque d'Assassin's Creed Codename Red, du coup. Les développeurs ont visiblement choisi de se concentrer sur la trame principale, et ça se voit, mais alors, est-ce que ça valait ses sacrifices ? Siamo Tutti Bassim. On comparait plus haut Mirage à Unity, mais il est maintenant temps de rajouter TEMPS. Désolé, hein, je corrige toujours.
de rajouter une différence majeure entre les deux titres. L'aventure et le personnage de Basim sont bien plus intéressants qu'Arnaud et son histoire. On l'attendait beaucoup à ce niveau et Mirage ne nous a pas déçus. L'histoire du jeu est aussi complexe que prenante et elle ne prend tout son sens qu'une fois arrivée à la conclusion. Elle a un peu de mal à démarrer, mais après avoir vu les premières scènes inattendues et marquantes, nous voilà embarqués dans un récit fort bien narré, où histoire et gameplay s'entremêlent habilement. Le tout est porté par une réalisation particulièrement soignée sur certaines scènes et une bande-son qui se classe facilement dans le top 5 des plus belles OST d'Assassin's Creed. Un grand merci à Brendad Angelid. Et je suis d'accord, c'est vrai que la bande-son est vraiment très chouette. Ce qui est le plus plaisant avec l'histoire de Basim, c'est qu'elle rappelle un peu celle de Ezio. On le voit grandir au sein de la confrérie, passer les rites les plus importants, mais aussi grandir en tant que personne, découvrir qui il est et ce qu'il veut vraiment. Mirage fait même mieux, car s'il était un peu difficile de s'identifier à un beau gosse charmeur et arrogant issu de la noblesse italienne, les questionnements de Basim sont eux plus universels, plus parlants. Cela brise le côté très manichéen que l'on peut retrouver chez certains à Assassin's Creed pour se pencher sur un rapport plus personnel aux choses. Pour sûr, le sous-texte de l'ascension de Basim au sein de ceux que l'on ne voit pas résonnera chez de nombreux joueurs. D'ailleurs, on sent cette volonté de parler à un maximum de gens dans plusieurs aspects du jeu. Il y a une réelle diversité dans Mirage, que ce soit au niveau des PNJ ou des possibilités de doublage, réussies d'ailleurs. Le jeu est également accessible au plus grand nombre avec ses trois niveaux de difficulté, même si les amateurs de challenge risquent de rester un peu sur leur faim. Même en difficile, Mirage demeure un titre assez simple, et malgré tout, Mirage ne parlera pas à tout le monde. Son côté très classique, bien qu'attendu, risque d'en laisser certains sur le carreau. Pourtant, le titre remplit bel et bien ses promesses, et ça suffit à proposer une expérience solide et excellente, un vrai hommage qui ne s'éloigne jamais du credo. Alors, à titre personnel, à titre personnel, j'ai joué à tous les Assassin's Creed, sauf Condemned Red, là, j'ai pas joué celui-là. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. Mais j'ai joué à tous les Assassin's Creed principaux, hein, du 1 jusqu'à Valhalla. J'ai détesté Valhalla, j'y arrive pas. Valhalla, j'y arrive pas. Je retourne dessus de temps en temps, mais j'y arrive pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire, quoi. J'ai bien aimé Odyssée, mais je trouvais que c'était un peu relou, ces histoires de... Enfin non, c'est pas Odyssée, c'est l'autre là qui se passe en Grèce. C'est Odyssée qui se passe en Grèce, je crois. Celui qui se passe en Grèce, je le trouvais un peu chiant, parce qu'on devait sans arrêt passer d'un camp à l'autre, essayer de faire passer les trucs d'un camp à l'autre, ça m'a saoulé. Celui qui se passe en Égypte était sympa. Unity était vraiment chouette, moi j'ai adoré Unity, hein. Je fais partie des rares personnes qui ont beaucoup aimé Unity. Le tout premier était évidemment très très chouette, et celui-là en fait me fait beaucoup penser déjà au tout premier parce que ça se passe à Bagdad et du coup ça se passe 200 ans avant l'histoire de Altaïr. Et ça m'a beaucoup plu aussi parce qu'on retrouve plein de mécaniques du jeu à l'ancienne, notamment les contrats, les infiltrations. Il y a plein de trucs qui me rappellent un peu les origines d'Assassin's Creed et des parties que j'ai pu avoir sur certains des jeux. Donc la mécanique de Valhalla me plaît, mais pas du tout. Pas du tout assez Odyssée en Grèce, ouais, c'est ça. Alors c'est origine, c'est en Égypte, voilà, c'est sûr. La mécanique de Valhalla m'a pas du tout plu parce qu'on avait un roguelike dedans et j'aime pas du tout. Vraiment Valhalla, j'aime pas du tout. Mais par contre, ouais, celui-là, le Mirage, je trouve qu'il est un peu cher pour ce que c'est parce que c'est que 30 heures de jeu, donc c'est un petit jeu, hein, c'est pas un gros jeu. On arrivera vite à la fin, je pense que je vais arriver vite à la fin, donc je le déguste, hein, tranquillement. Mais c'est bien plaisant, en fait. Ça fait plaisir de retomber sur des mécaniques du jeu qu'on avait avant. Et ça fait plaisir de retrouver... Alors, j'ai adoré Black Flag aussi, hein, sachez-le. Black Flag, c'était un des meilleurs. D'ailleurs, elle n'en parle pas du tout là dans l'article, mais Black Flag, c'était, un des meilleurs jeux de la série Assassin's Creed. Donc, la conclusion, point fort, Bagdad, la magnifique. Donc, c'est vrai que Bagdad est très, très jolie. Un retour aux sources réussi, je valide. Un récit vraiment intéressant, c'est vrai. C'est vraiment chouette, le récit est très sympa. Donc moi, je prends le temps de l'écouter tranquille. Des bonnes idées et moments marquants, c'est vrai. Une liberté d'approche bienvenue, ouais, c'est vrai aussi. Une bande-son et une atmosphère parmi les meilleures de la licence, c'est vrai aussi. Et le sens du détail partout, tout le temps, c'est vrai.
Quelques manques de finition, effectivement, il y a quelques bugs, des fois c'est un peu relou, il y a des trucs qui flottent, je sais pas pourquoi. Il y a des moments où il va chercher des trucs, tu le vois, qui est en train de faire ça comme ça dans le vide alors qu'il n'y a rien, donc c'est bizarre. L'absence de vraies quêtes secondaires, ouais, c'est, bon, il y a quelques contrats, mais c'est pas, c'est, il n'y a pas vraiment de... Enfin, t'as la quête principale, et puis t'as les contrats, et puis ça s'arrête là. Un démarrage laborieux, c'est vrai que c'est un peu lent, mais bon, en même temps, le jeu est court, donc finalement, ça va. Un manque de difficulté. Alors là, moi, je suis pas d'accord parce que je suis morte déjà une dizaine de fois. Du coup, je l'ai mis en mode normal en me disant, ouais, c'est bon, c'est un jeu facile, donc je vais le mettre en mode normal. D'habitude, je joue en facile parce que j'aime pas me faire trop chier. Et en mode normal, je suis, c'est trop facile en fait. Enfin, c'est trop difficile en fait. C'est quand même difficile. Enfin, c'est pas trop difficile, mais c'est pas, il y a pas de manque de difficulté. Après, il y a, c'est vrai que c'est facile de trouver des trucs. Enfin. Le jeu en soi est plutôt simple et c'est vrai qu'il n'y a, y a pas de grosses difficultés. Tu ne tournes pas en rond pendant des heures pour trouver quelque chose, quoi. Et certains pans sous-exploités, bah là, oui, probablement, mais je ne suis pas encore allée assez loin, je pense, dans le jeu pour ça. Mais c'est vrai que les enquêtes sont assez courtes, du coup, c'est peut-être un peu frustrant. Il est moins cher, c'est pas 40 balles. Ouais, je trouve que 40, c'est déjà trop. Je pense qu'ils auraient dû le vendre moitié prix, tu vois, genre 20... Il est à 47, ouais, presque 50. Même des fois, si tu, enfin, voilà. Sur PlayStation 5, il est à 47. Oui, parce que je suis sur PlayStation 5. Et d'ailleurs, il est plus cher sur PlayStation 4 que sur la 5. C'est bizarre. Donc, ouais, il est à presque 50 euros si tu l'achètes à la Fnac ou même sur PlayStation. Moi, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Parce que c'est le prix d'un... Il me semble que c'est le prix d'un... Enfin non, le Assassin's Creed normal, il est à 60 euros, un truc comme ça. Enfin, normal, c'est un normal bien sûr, mais enfin, c'est... disons que c'est un jeu, je pense, qui a été sorti en attendant Jade qui va arriver l'année prochaine normalement, donc on a tous hâte de voir Jade, moi en tout cas j'ai hâte de voir Jade évidemment. Allez, on reprend. Alors, c'est Isno91 sur Twitter. Non, Blue Sky, pardon. Sur Blue Sky. On va aller faire un tour sur Blue Sky. Quand tu chies sur 1 million de voitures et que tu débloques le skin légendaire des elfes flamboyantes. Et je sais même pas comment. Ah oui, c'est une lumière, ok, c'est un spot. Excellent, excellent. La suite, ah oui, c'est vrai que j'avais pas mis petit message là, moi c'est pas grave, trop tard. J'ai pas mis sur le Discord que j'étais là. Désolé aux gens qui sont sur le Discord. La suite, c'est quelque chose qui a été encore envoyé par SIAOU, c'est le réveilleur. Le réveilleur qui nous dit... Nouvelle vidéo, taux de retour énergétique, Jean-Marc Jancovici dans l'erreur. Je parle de taux de retour énergétique et un concept utilisé souvent à tort pour remettre en question la transition énergétique et notamment l'éolien et le photovoltaïque. Ça doit être une longue vidéo, on va pas regarder 1h26 de réveilleur, donc non. À vos agendas, ok, résumé avec spoiler, le TRE, ah oui, donc c'est un thread en plus, un thread. Le TRE est le ratio entre l'énergie délivrée par un système énergétique. Ah, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Oh, désolé. Oh. Oh, c'est un très très bon vulgarisateur, je suis d'accord. Vous avez vu mon magnifique pouce blessé ? Ouais. Un système énergétique est l'énergie investie dans ce système, et c'est tout. Le TRE n'est pas une mesure de l'efficacité énergétique et de la densité énergétique, de l'utilisation des matériaux, etc. Je commence par les nombreux problèmes méthodologiques du TRE. Vous en sortirez avec une défense intellectuelle sur ce sujet qui devrait vous éviter certains pièges et vous sera utile pour penser la transition énergétique en détail, en général. Et salut toi, Bolo. Tu viens nous voir ce matin ? Bonjour Loulou. C'est Loulou ce matin. On a Loulou ce matin. Oui. Tiens, regarde. Oula, oula. Eh ben, tu peux droit. Petit chat. Oui, c'est Loulou. Bonjour, Loulou. Bonjour.
Bonjour, Loulou. C'est cool parce que d'habitude c'est l'autre qui vient, puis là ce matin c'est Loulou. Tu vas bien ce matin? C'est mon chat, celui-là c'est mon chat. Celui que vous avez vu hier matin, là, le gris, c'est le chat de mon amoureux. Il est couché, il est par terre là. En bas. Et là, c'est Loulou. C'est la star du live parce que vous voyez les émojis miaou là, c'est Loulou. C'est lui qui est dessiné dessus, oui. Voilà. Oui, j'aime beaucoup mon chat. Et alors, hein? Alors, je reprends. Je regarde ensuite, donc là, il dit... je commence par mon premier intérêt, vous sentez... Voilà. Donc là, il dit énergie primaire, pétrole brut, énergie secondaire. C'est moi, c'est le chat de mon amoureux qui est couché par terre. Énergie secondaire, essence, énergie finale, essence distribuée, énergie utile, déplacement d'une voiture. TRE utile égale E utile sur E investi, donc c'est... D'accord. Je regarde ensuite quelles sont les quantifications les plus crédibles, récentes et utiles du TRE pour alimenter les réflexions sur la transition énergétique. Au niveau de l'utilisation, les ressources fossiles ont un TRE faible, en partie parce qu'elles sont utilisées par des technologies inefficaces. Salut Manon, bonne journée. Pour de la production d'électricité, les moyens de production électrique bas carbone, éolien, photovoltaïque, hydroélectrique et nucléaire s'en sortent déjà mieux parce que les fossiles, même en prenant en compte le stockage au niveau du réseau électrique, Ouais, je suis fatiguée. Une étude qui regarde des scénarios de transition énergétique au niveau de l'ensemble de l'humanité ne conclut pas à une baisse inquiétante du TRE. En l'état des connaissances présentées, il est faux de croire... Vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver. Moi, je suis pas prête. Tu viens, chaton? Tu viens, chaton? Tu viens là, c'est ça? Tu veux venir là? Tu viens là? Il était couché par terre, mais je crois qu'il a vu Loulou arriver. Du coup, il a dit non, moi aussi, je veux venir. Oui. C'était le petit cri. Voilà, j'ai les deux chats ce matin. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis la plus heureuse des personnes du monde avec mes deux chats. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien ce chat aussi. Il est gentil, il est tout mignon en plus. Regarde, il est magnifique ce chat. Il est pas beau. Il est magnifique aussi. Oh, t'es beau, toi. Voilà. Écoutez, je suis heureuse. Que voulez-vous? J'ai deux chats à portée de main. Je peux faire des câlins à deux chats. Et puis, ils s'entendent bien tous les deux. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est merveilleux. Pour la production, au niveau de l'utilisation des ressources fossiles, pour la production d'électricité, les moyens de production électrique bas carbone, éolien, photovoltaïque, hydroélectrique et nucléaire s'en sortent déjà mieux que les fossiles, même en prenant en compte le stockage au niveau du réseau électrique. Bonjour la chatch. Bonjour le chat, bonjour les chats de Florie. Ça va? Pour une étude qui regarde les scénarios de transition énergétique au niveau de l'ensemble de l'humanité ne conclut pas une baisse inquiétante du TRE, on avait déjà lu. En l'état des connaissances présentées, il est faux de croire le trompeur et de faire croire que le TRE fournit des éléments poussant à évincer les technologies renouvelables. Il y a ensuite une partie plus méta où je discute de ce que nous apprend réellement le taux de retour énergétique, ce qui permet de prendre pas mal de recul. Vous devriez comprendre pourquoi je pense que ce concept doit prouver sa pertinence et pourquoi je doute de son utilité dans un cadre de vulgarisation et d'enseignement. Je finis par discuter des ressources fossiles, des renouvelables et des discours erronés sur le taux de retour énergétique. Cette vidéo n'existe au final que parce que l'engouement pour un concept a largement dépassé ce qu'il permettait de dire sans mauvais discours sur le sujet. Cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Voilà, voilà. Du coup... probablement très intéressant à regarder cette vidéo du réveilleur sur le TRE que on va pas regarder ce matin bien sûr parce que voilà
s'arrache, attends. Alors attends, parce qu'il faut que je télécharge ça. Voilà. Hop là. Ça, c'est les résultats en Bavière. Alors comme je connais pas les significations dis donc, il m'attaque. Comme je connais pas les significations de ce que c'est CSU, AFD, FW, je sais juste que bah, ça, c'est les Verts. Ça, c'est le Parti Socialiste. Ça, c'est les fils de... non. ça, c'est l'extrême droite. Et ça, c'est les libéraux. Voilà. Je dirais que ça, ça doit être le centre. Oui. Mais du coup, ouais, l'AFD et FW dépassent les Verts et les Socialistes. Le CSU très très loin devant. Du coup, voilà. Grosse tristesse. En Allemagne, il se passe des choses pas très cool. Allez, on va faire un petit tour. Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon. C'est trop mignon. Vous êtes pas prêts pour autant de mignons. Tant de mignons ce matin. Ah merde, vous avez pas le son de la vidéo? Ah mais vous me l'avez pas dit tout à l'heure, il y avait le son sur les vidéos aussi. Ah, je suis trop dégoûtée. Ah. Non, reste là, chaton. Il est hyper ce con. Viens là, mon chat. Oh oui. Tiens, hop, voilà. Ça devrait fonctionner. Vous l'avez là? Il fallait transmettre. Voilà. Et mon mari. Au revoir, tu ne me mérites pas. Ouais. Mais elle est restée quand même. Et 8 jours après, j'avais la bague au doigt. Alors... On s'est mariés en 53. Viens là. Ah, il était brun, hein? J'ai fait ma médecine avec le mari de ma meilleure amie. Oh, un jour, ils m'ont dit, voilà, on a un copain qu'on a connu pendant la guerre. Il est à Castres en ce moment. Il vient à Toulouse. Et on va faire une soirée, est-ce que ça t'amuse d'y assister? Chez cet ami, nous avons dîné ensemble et puis... coup de foudre. Je l'ai emmené au cinéma et... Non, non, non. On a dansé coup de foudre. Non, après. Non, ça oui, ouais, ah bah, moi, je l'ai eu là. Bon. Le coup de foudre, oui. Et... Je me suis laissé avoir, quoi. Problème, on a lutté tous les deux contre ça parce qu'on n'avait pas la même religion. Moi, j'étais une protestante de vieille famille où mes ancêtres se sont battus. Donc, il fallait transmettre. Et mon mari, d'origine juive, et il fallait transmettre aussi. Voilà. Après plusieurs discussions, je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends? Oui ou non? Et il me répond, j'ai cœur qu'aucune... Coco d'une dispute, tu me traites salut. Il dit, tu me crois capable de ça? Au revoir, tu ne me mérites pas. Ouais. Mais elle est restée quand même. Et 8 jours après, j'avais la bague au doigt. Alors. À cet âge-là, est-ce que vous vous disputez encore? Oh, ben heureusement.
Oui, enfin, nous dirons moins. Vous dire qu'il n'y a jamais eu d'accroc ni de dispute. Heureusement, d'ailleurs. Ça serait mentir. On n'a jamais consulté un avocat. Non, jamais. Enfin, moi, à titre personnel, je n'ai jamais envisagé une séparation, quelle qu'elle soit. On s'est promis de jamais s'endormir fâché. Alors, on fait un petit baiser, quelquefois un peu nerveux, mais il a été donné et le lendemain, ça repart, hein, la dispute. Est-ce que vous pouvez me dire si on a encore des rapports sexuels à votre âge? Ou est-ce que ça remonte d'il y a longtemps? Et est-ce qu'on y pense encore? Vu notre âge, il y a quand même un certain temps. Mais c'était... Non, mais on a des gestes très, très affectueux. Nous dirons que l'amour s'est transformé en une grande affection. Et tendresse. Et tendresse. Et en plus, amitié. Voilà, ça fait beaucoup de choses qui restent. Mais émettez des points de suspension parce qu'on n'a pas tout dit. On est très. C'est trop mignon. Oui, je suis. Arrêtons. Plus que beaucoup de gens de notre âge. Il y en a plein quand on va au restaurant, ils ne disent pas un mot entre eux. Non, ça. Nous, on a toujours quelque chose. Ça passe pas. Le drame, ça va être la séparation. Marquis, le contraire peut arriver que la liaison ne soit pas aussi bonne et puis que. On se comprenne. Mais dis pas de bêtises. Non, mais je dis, non, c'est pas ça que je dis. Arrête. C'est mal dit, je dis pour quelqu'un d'autre. Mais non. Il y a deux personnalités, ça, je ne pense pas qu'il soit bon qu'il n'y ait qu'une seule personnalité, qu'on soit l'esclave de l'un ou de l'autre. C'est pas du tout le propos. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a les mêmes réactions devant les problèmes. Devant la culture, devant la vie... Devant les sentiments aussi. Oui, devant les sentiments, oui, on a les mêmes réactions. Ça, c'est exact. C'est le même sens des valeurs. C'est certainement le sens des valeurs. Moi, je n'ai pas un naturel jaloux, j'aurais pu. Parce que quelquefois, on a essayé de me le piquer. Mais je faisais confiance. Pour nos 70 ans, les enfants nous ont préparé un mariage, mais un vrai. Robe longue, robe de mariée, camélia dans les cheveux. Et alors il nous a fait un discours, est-ce qu'on veut se remarier? Il nous a fait mettre l'alliance l'un à l'autre. Et on est sortis, et tous les petits-enfants nous ont envoyé des pétales de rose. Le plus gros compliment qu'on ait eu, c'est de mon petit-fils qui s'est marié et en disant on veut vivre comme vous. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. À elle qui dit bonjour à elle d'ailleurs et bonjour Gwendoline aussi, qui dit les positions climat de l'AFD, donc on parlait de l'AFD tout à l'heure, sont aussi lunaires que celles des Verts. Ça se demandait si en Allemagne le but de la politique n'est pas de faire dans le surréalisme. Et c'est vrai que les Verts en Allemagne, tout comme l'AFD, tout comme à peu près tous les partis politiques là-bas, sont anti-nucléaires et plutôt favorables au charbon, le fuel aussi, et qu'ils considèrent que c'est les arbres vont prendre le CO2, du coup il faut utiliser ces énergies-là. Mais en fait, oui, c'est surtout qu'ils sont très défavorables à l'énergie nucléaire, donc je pense que Tchernobyl a eu beaucoup, beaucoup d'impact chez eux aussi. Et du coup, ils veulent en sortir, enfin en tout cas ils veulent pas y rentrer parce que ils y sont pas vraiment rentrés en fait. Allez, un petit article plutôt drôle quand même. Ah, quelle horreur, c'est vraiment l'horrible, horrible un after, vraiment horrible. Cybercriminel était un chat après un saut sur un clavier. Un félin coupe le réseau informatique d'un hôpital. Le chat a sauté sur le clavier et a causé une coupure de réseau informatique de l'hôpital. T'imagines, Loulou, t'imagines si tu faisais ça? C'est l'heure de la toilette. Le réseau informatique d'un hôpital américain a connu des coupures pendant plusieurs heures car le chat d'un technicien a sauté sur le clavier au mauvais moment. Voilà, un chat.
C'est pas n'importe quoi, quoi. C'est, voilà. Bref. Le félin était le coupable. Un technicien informatique en télétravail n'a pas assez bien surveillé son chat et les conséquences auraient pu être terribles, comme le rapporte The Register. Le 13 septembre dernier, l'hôpital des anciens combattants de Kansas City aux États-Unis a été touché par une coupure du réseau informatique majeur. Pendant plusieurs heures, les ordinateurs ramaient et certaines fonctionnalités ne marchaient plus. Des cybercriminels à la manœuvre. Les méfaits de cybercriminels demandant une rançon ont d'abord été envisagés, un phénomène de plus en plus courant ces dernières années. Mais le criminel responsable de la panne géante n'était pas un expert informatique, il n'était en fait que le chat d'un technicien informatique de l'hôpital. Le félin aurait sauté sur le clavier au mauvais moment, provoquant une panne de serveur. Des données cruciales auraient été effacées à cause des petits pas de l'animal, mais l'incident n'a pas perturbé les soins à l'hôpital. Cependant, le transfert d'images entre les différents services aurait été bloqué. C'est pour ça que j'ai un chien. Si l'hôpital n'a pas confirmé l'origine de la panne, il n'a pas contredit les informations de nos confrères britanniques. L'affaire serait remontée jusqu'au gouvernement américain, et en apprenant qu'un chat était responsable de la coupure, Kurt Delbene, responsable informatique du ministère des anciens combattants, aurait déclaré « C'est pour ça que j'ai un chien ». Voilà, c'était un article publié le 6 octobre dernier. Les chats veulent dominer le monde. Oui, oui. Allez, un petit dernier drôle et mignon. C'était hier qu'on nous a parlé de Lemsmash. Et on va aller regarder ça, je pense. Et après, je pense qu'on va s'arrêter parce que j'avais dit jusqu'à 9h, mais... A nice stick. I like sticks. Pick, pick. Lemsmash, please. No, Ron. Go find Becky. You want some fuck? No, Ron. I don't want some fuck. I got your blue. Hey, girl. You want some tail? Ron, your tail is small. What? Swiggity, sweetie. You want yellow? She doesn't want yellow. Blue and yellow, no. Ron, I'm leaving. What? No, wait, let me smash. What's my life come to? Becky thought my tail was big. Aww. Becky used a let me smash, but Becky is smashing Ben. Ben is a hoe. Fuck this next. Fuck Beth. I need you, Becky. Becky, let me smash. I'ma get that bitch a stick. Bitches love sticks. Wrong stick, 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 stick. Je connaissais pas. Got stick, Becky. I got stick. Let me smash. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Attends, on va regarder une autre. Excuse me. I need this. This too. Need more blue. I'll write her fuck note. Later, fool. The fuck. This is gonna be good. Hey, Becky. What is it, Ron? Get your ass down here. No, Ron. Get down here, home. Oh, fine. What is it? Check out all my blue. Now let me smash. I told you I don't want to smash. You want some fuck. Strut. You don't even have a roof. What? I got your wheels. We can fly. She doesn't want wheels. I'll pay you. Please. No, Ron. Peck. G'day. Cut. What? Becky, let me smash. C'est trop mignon. Ok, donc je connaissais pas les mismatch. C'est très drôle. Très bien. Alors, la suite que nous avions ici, c'est un article du Courrier International. Si on va peut-être le lire, ce Courrier International, on va peut-être enfin en parler de Israël et Palestine. Et puis, avant de partir... Hein. Pourquoi le Hamas a décidé d'attaquer Israël sur son sol ?
Pour ce journaliste palestinien, cette guerre ne ressemble à aucune autre. Si le mouvement islamiste a choisi de passer à l'offensive, c'est pour redorer son blason auprès de la population à Gaza et de ses alliés extérieurs, mais aussi pour faire capoter les plans de normalisation, notamment entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite. Une escalade qui pourrait toutefois coûter cher aux Palestiniens. Un article donc qui vient de Anne Maljala, qui a été publié sur le Courrier international et qui a été publié le 9 octobre dernier, donc c'est tout récent. Et ça a été écrit par, par Majed Kalayi, Kayali. Pardon. Alors, j'ai un abonnement, mais il faut que je me connecte. Et il faut pour ça que je... Alors, je vais revenir sur ça, désolée. Alors, si je peux me connecter avec Google, c'est trop, je vais pouvoir me connecter avec Google. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, cette guerre est différente des précédentes. Premièrement, parce que c'est le Hamas qui en est à l'initiative. Deuxièmement, parce que c'est le territoire israélien à l'intérieur de la ligne verte qui est envahi par les troupes au sol, chose que même le Hezbollah libanais n'avait jamais réussi à faire. Troisièmement, parce qu'elle ressemble tout à fait à un affrontement entre deux armées, malgré les réserves qu'on peut avoir concernant l'usage du terme « armée » pour désigner les combattants du Hamas. Personne ne sait pour l'instant à quoi cela va aboutir, mais ce que l'on sait déjà, ce sont les raisons pour lesquelles le Hamas a pris sa décision. Premièrement, il est en difficulté vis-à-vis de sa propre population en tant que mouvement de résistance aussi bien qu'en tant que gouvernement à Gaza. Je pense que ça va pas vraiment s'arranger en fait avec cette attaque-là, mais bon. Pas mieux que le Fatah. Après 16 ans au pouvoir à Gaza, il n'a pas réussi à s'imposer comme un modèle qui ferait envie ou qui paraîtrait préférable à celui du Fatah et de l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie. De même, il n'a pas réussi à protéger les habitants de la bande de Gaza contre les attaques israéliennes, ni à leur éviter les affres du blocus imposé par Israël. Et merci Rico pour ton sub, merci beaucoup, c'est très très gentil. Deuxièmement, dans son rapport à ses alliés extérieurs, le Hamas avait aussi besoin de redorer son blason depuis la guerre de 2014, puis notamment en 2019 et 2022. Il s'était fait dépasser de manière croissante par le djihad islamique dans l'affrontement avec Israël. Cela avait entamé le prestige du Hamas auprès des Iraniens, avec ce que cela implique en matière de soutien financier et de livraison d'armes. Peser sur le processus de normalisation israélo-arabe. Troisièmement, le Hamas veut s'imposer comme instance représentative des Palestiniens et finalement, il s'aligne sur les Iraniens dans leur désir de faire capoter les projets en cours de normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite. Cela étant, c'est Israël qui est responsable de tout ce qui se passe depuis sa création en 1948. L'État d'Israël cause des Nakba catastrophes aux pays palestiniens. Récemment, cela s'est traduit par une accumulation d'atteintes aux lieux saints musulmans et chrétiens palestiniens et par des attaques de colons extrémistes contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem. Même s'il est trop tôt pour prédire les conséquences de cet événement sans précédent, il faut attirer l'attention sur certains points. Premièrement, il ne faut pas céder aux émotions et aux réactions épidermiques qui n'aboutissent à rien de bon dans une situation déterminée par les rapports de force. Il faut au contraire prendre les décisions les plus rationnelles possibles. Attention à la vengeance des colons en Cisjordanie. Deuxièmement, la libération de la Palestine n'est pas pour demain, je le dis avec tout mon respect pour les sacrifices et l'héroïsme de la résistance palestinienne qui en a déjà consenti beaucoup à d'autres moments de l'histoire. Troisièmement, il faut craindre au contraire qu'Israël prenne prétexte des événements pour laisser libre cours à la violence vis-à-vis des Palestiniens et que les colons se déchaînent en Cisjordanie pour épurer telle ou telle zone de sa population palestinienne. Quatrièmement, tout cela pourrait aboutir à ce que la bande de Gaza soit retranchée de l'ensemble palestinien pour établir un état de Gaza en guise d'état palestinien, gouverné par le Hamas ou non, concomitamment avec l'effacement politique de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie. Donc c'est un premier article sur le sujet. On va en reparler dans les prochaines matinales du matin tôt le matin. Parce que c'est un sujet qui est central aujourd'hui dans l'actualité et parce que c'est un sujet qui est important et qui n'est pas si binaire et simple que on pourrait le croire. J'ai eu un échange avec une amie sur la question en fait de Palestine et Israël. Aujourd'hui, on a cette injonction de la part du gouvernement à prendre parti pour Israël. Je rappelle quand même qu'on a d'un côté la Palestine, donc
On a d'un côté le Hamas, c'est pas la Palestine, hein. Le Hamas c'est un groupe terroriste qui sévit à Gaza et qui a pris le pouvoir à Gaza. Et de l'autre on a Israël qui est dirigé aujourd'hui par quelqu'un qui s'appelle Netanyahou, qui est un dirigeant nationaliste, donc d'extrême droite, qu'on pourrait comparer à, au CSU en Allemagne par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ou au Rassemblement National en France. Donc c'est vraiment deux personnes, enfin deux personnes morales et physiques, hein, mais c'est vraiment deux leaders en l'occurrence qui ne sont pas forcément... Enfin là, on parle de la peste et du choléra, quoi. C'est d'un côté les terroristes et de l'autre côté l'extrême droite. Donc on est sur deux extrêmes, en fait, qui dirigent de part et d'autre les deux populations qui subissent aujourd'hui la guerre, enfin la guerre entre leurs deux États, pays, nationalités, je ne sais pas quoi dire en fait à ce niveau-là. Donc prendre le parti de l'un ou de l'autre me semble être quelque chose de très dangereux en fait. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prendre l'un ou l'autre des partis. Effectivement, il y a des Israéliens et des Palestiniens qui sont en train de mourir, et ça, c'est terrible. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose de prendre l'un ou l'autre des partis, à titre personnel. Donc voilà. Donc la situation là-bas, elle est très épineuse depuis très longtemps. Il y a un vrai sujet, il y a un vrai souci en Israël et en Palestine. Globalement, on a imposé une population dans un pays qui ne souhaitait pas forcément être colonisé. Et il y a plusieurs articles qui vont arriver là dans les prochaines journées matinales qu'on va lire, et on va en reparler de cette situation. On va essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. On va lire de part et d'autre, hein, des articles d'Israël et de Palestine. On va essayer de se faire un avis par rapport à tout ça, mais surtout de prendre du recul et essayer vraiment de ne pas s'enfermer dans une mécanique qui consisterait à dire c'est leur faute ou c'est leur faute, ou pointer du doigt une ou l'autre des populations, sachant que vraiment les populations elles sont en souffrance et que c'est vraiment pas les populations qui sont à pointer du doigt dans cette situation. Voilà. Sur ces bonnes paroles, il est 8h54, je vais devoir vous abandonner. Je vous rappelle du coup de venir... et je vous invite à venir sur le serveur Discord pour donner nous donner des vidéos, des articles à lire le matin, à voir le matin, pour pouvoir varier, hein, entre les actualités difficiles parfois ou parfois drôles et des vidéos ou des photos ou des choses qui vont nous détendre un petit peu et dérider un petit peu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous avoir encore ce matin avec nous ici sur cette chaîne. On se retrouve demain matin, de bonne heure, de bonne humeur, un petit peu plus longtemps, parce que demain matin, normalement, si tout va bien, je devrais rester vraiment jusqu'à 9h et peut-être un peu plus, si ça se passe bien, je vérifie. Demain, jusqu'à 9h, car je pense que je serai là. Donc on se retrouve demain matin pour cette matinale du matin, tôt le matin, avec moi. Moi, c'est Florie, vous le savez maintenant. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Si on ne se revoit pas d'ici la fin de la semaine, une excellente fin de semaine. Je vous rappelle du coup que... je vous rappelle ce que j'ai rappelé déjà hier, mais je rappelle quand même que si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on se voit, j'organise une petite soirée avec mon amoureux pour notre anniversaire, parce que encore une fois, on est né le même jour. Du coup, on va fêter notre anniversaire. Notre anniversaire, c'est vendredi, mais on va le fêter samedi soir au Grand Contrôle à Paris. Donc si vous souhaitez nous y rejoindre, nous y voir, vous pourrez nous y retrouver là-bas. Il faudra nous reconnaître par contre parce qu'on n'aura pas de signe distinctif. Si vous souhaitez venir aussi, alors c'est sur inscription à l'Assemblée Générale d'Allons Enfants, c'est les journées d'Allons Enfants, ça se passe rue Victoria à 16h et j'interviendrai, enfin ça se passe toute la journée là-bas, mais moi j'interviendrai à 16h pour parler des femmes en politique, même si je ne suis pas que ça, je serai très heureuse de vous y retrouver, et puis on pourra ensuite aller jusqu'au Grand Contrôle ensemble si vous le souhaitez. En tout cas, si vous ne venez pas, c'est pas grave, hein, je sais que tout le monde n'est pas en région parisienne. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir encore ce matin ici. Je vous retrouve demain matin, de bonne heure, de bonne humeur. Et surtout, aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous les aimez, parce que c'est très important. Voilà, à bientôt, bonne journée,